Nooman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Salut les bidoutes, c'est Nooman, on se retrouve pour notre pack opening hebdomadaire. Alors vous allez me dire, d'habitude c'est beaucoup plus tôt que ça dans la semaine. Oui, certes, mais j'étais en vacances, donc je reviens, je suis revenu hier soir, hein, si vous voulez tout savoir. Avant-hier soir, parce que la vidéo sortira mardi matin. Et donc voilà, j'avais enregistré pas mal de vidéos pour vous faire croire que j'étais toujours présent, alors que non, j'étais absolument pas à Paris. J'étais reçu par mes deux potes, de leur big dédicace à eux. Roswell56, l'éternel, celui à qui j'ai commenté deux fois ou trois fois, je sais même plus, le tournoi de youtubeur de Dams. Et Mika7485, aussi appelé Dudul, par la taille de sa... Voilà, vous comprendrez aisément. On l'appelle Dumbo, même dans le milieu du basket, parce qu'il joue également au basket. Et donc voilà, je suis allé squatter ses œufs. J'ai un peu pété le ratio victoire-défaite à Roswell, on va pas se mentir, parce que bon, on a joué, on n'était pas très très frais. Ça s'est ressenti dans les résultats. Enfin bon, je vous raconte pas mes vacances, mais en tout cas, on s'est bien marré, donc big dédicace à eux. Une petite dédicace également à une chaîne FIFA qui vient de se lancer. Il a que 22 abonnés, mais il faut bien commencer. En tout cas, je lui fais un petit peu de pub, le Paris Go Fou. Le lien de sa chaîne sera dans la description de cette vidéo. Et nous, on va se faire un petit pack opening. Je pense que ça va être un pack opening, rien à branler des packs, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va commencer directement, on va craquer les 3000 points qui restent. L'équipe de la semaine, je vous en parle même pas, tout le monde s'en fout, puisque de toute façon, à partir de demain soir, il y en aura une nouvelle. Donc je vais quand même regarder un peu le premier pack quand même. Ça commence bien, c'est voilà, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal que ça. Topal, ok. Dombarts, le belge, lui je l'ai souvent lui, hein, dans tous les trucs. Song, c'est vrai qu'il est parti en BPL et ça reste un putain de joueur encore, même IRL, c'est vrai que ça reste un très très bon joueur qui est sous côté. On va stocker tout ça. J'ai vu que oui, alors merci beaucoup, j'ai eu un petit cadeau d'Axoloto qui m'a filé une pile, la pile d'échange à plus 30, donc maintenant je suis à plus 60. Je sais pas pourquoi, hein, j'avais débloqué tous les autres avant qui a eu le fameux bug et que ça reste bloqué. Du coup j'étais à 30 et là j'ai vu qu'il m'avait envoyé un petit cadeau, donc je te remercie Axo. Et bah voilà, ça fait toujours plaisir de voir que les gens pensent aux autres, parce que c'est vrai que dans ce monde de YouTube qui c'est comme Dallas, c'est pire que Dallas, tout le monde se chie à la gueule. Et donc merci à toi, l'ami, l'ancien, le skiller fou. De quoi je vous parler. Donc on va continuer à ouvrir ces petits packs. Je voulais vous parler de plusieurs choses à savoir. J'ai sur ma vidéo l'hybride du moment. Alors il y a eu pas mal de petits retours, pas négatifs, mais j'ai eu pas mal de remarques. La plupart me disaient souvent, je vous parle même pas des packs, hein, vous allez voir que de toute façon on va choper de la merde, que mon équipe elle était pas géniale, que c'était pas, même pas une hybride. Alors pour moi une hybride c'est quand même quand tu mélangeais des nationalités et des championnats. Là on m'a dit non, pas du tout, ça a rien à voir, t'es un noob. Oh, je l'ai jamais vu celle-là. Non, lui non plus, elle non plus. À choisir, je préfère elle que lui, hein, si on doit passer une nuit taurine, hein, à choisir, parce que lui c'est, ça sent un petit peu le god. Alors que elle, c'est un caliente. Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à placer des trucs un petit peu dégueulasses dans mes vidéos, mais bon, c'est comme ça, vous avez l'habitude. Et donc oui, l'hybride du moment, donc voilà, si je vous ai proposé cette équipe là, c'est que déjà moi je suis une quiche en hybride, donc c'est quelqu'un qui me l'avait proposé, et voilà, il fallait bien lancer la série. Donc tous ceux qui m'ont dit oui cette équipe c'est de la merde, j'aurais mieux fait, n'hésitez pas à le faire. Et d'ailleurs ça rejoint mon deuxième point, à savoir que ceux qui veulent me proposer des équipes, que ce soit pour n'importe quelle série sur ma chaîne, arrêtez de me mettre ça sur Twitter ou sur Facebook, non j'allais dire parce que je n'utilise pas Facebook, mais arrêtez de me poster ça sur Twitter, parce que voilà, quand je suis au travail je regarde ça, vous pensez, je vais quand même pas faire une copie de l'écran, le balancer sur ma boîte perso, la regarder ici quand je rentre du travail. Non voilà, donc arrêtez de me balancer ça sur Twitter, je peux pas les, je sais pas que je les regarde pas, mais je les retiens pas. Donc, et puis je le dis à chaque fois, si vous avez quelque chose à m'envoyer, envoyez-le sur nooman5962.contact@gmail.com. Là au moins vous êtes sûr que je vous réponde. Enfin que je vous réponde peut-être pas parce que je reçois de plus en plus de trucs, mais j'essaie toujours de placer un petit moment gentil. Tété, papa où t'es, tété où, papa où t'es. Forcément, Akin Feyev, non, Akin tout court, et Dembélé, très bon joueur, mais c'est pas ça qu'on cherche non plus. Ah, la fameuse carte où le mec, on a pris une photo d'identité de son passeport, on dirait Elibop. C'est le Elibop norvégien. Et donc voilà, ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. On a toujours de la merde. Donc on peut continuer à parler parce qu'on voit très bien qu'on continue à brasser du caca. Donc n'oubliez pas l'hybride du moment, on va essayer de faire mieux. J'ai reçu quand même quelques petites hybrides sympathiques. Même je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche pour vous proposer. D'ailleurs, si vous voulez savoir, l'équipe que je vous mets dans la miniature de cette série, c'est une hybride à 91 de vitesse. Si vous voulez vous la faire, franchement, elle envoie. Je vous la propose pas parce que si je vous la propose, tout le monde va dire ouais, t'es ça, tu nous proposes une équipe de rapide alors que voilà, tu chies sur la gueule de ceux qui font ça. En tout cas, cette équipe-là, je sais pas si je vais me la faire, mais en tout cas, elle a l'air bien sympathique. Villa, Jean-Pascal, je suis un agitateur. Combien ça coûte celui-là?
Ça doit rien valoir celui-là. Vente rapidement, listé sur le marché des transferts. Comparer les prix. Comparer les prix de Jean Pascal, le chanteur de l'Astérax, ça vaut Walou Podzob. Ok, ça aurait été étonnant, parce que de toute façon, un pack opening chez Newman, c'est toujours de la merde. Samba, dixième prêt. Ouais, la samba, c'est peut-être pas dans les packs, mais au moins, on l'a dans la joie, le cœur. Sexe et chaleur dans ton cœur, mon ami. Voilà, c'est un peu comme ça. Non, on brasse de la merde, mais au moins, comme ça, on se marre. Enfin, dernière chose à vous raconter. Oui, alors on m'a dit aussi, quand est-ce que tu fais une série au hasard? Tiens, Eden Hazard, justement. Comme c'est synchro, diront, on dit, c'est professionnel, une chaîne professionnelle. Je vais finir de toute façon par passer sur le jeu de Famous. Un jour, vous verrez, j'aurai de la cocaïne et des limousines dans mon jardin. Oui, je sais pas pourquoi, de la cocaïne. À chaque fois, ça revient dans ces trucs-là. Routledge, enchanté. Un seul joueur. Alors, pack sympathique, puisque. Ah non, j'allais dire Ogbonna. Ok, ça vaut pas grand-chose. 2000 crédits. C'est ma meilleure carte pour l'instant. On va vite aller la gratter. Et les autres, on va le mettre peut-être pas en vente rapide. On va peut-être lister quand même Ogbonna, parce que ça doit valoir un petit peu. Voilà. Et notre ami Schmelzer, que j'ai. Oui, je l'ai. C'est vrai que j'ai une petite Bundes. J'y joue quasiment jamais. Mais il en fait partie, l'homme à la moustache. Ok, donc, qu'est-ce que je voulais vous proposer également? Oui, au hasard, on me dit, oui, pourquoi tu fais pas la série au hasard? C'est pas compliqué, regardez. Tout en haut, à gauche, crédit 29 000. Donc, si je vous fais une série au hasard, va falloir trouver un championnat où ça coûte vraiment pas cher du tout. Parce que c'est pas avec les pack openings que je fais que ça va m'essayer de me remplir un peu les crédits. On va voir. Je vais peut-être essayer de tabler sur une. Proposez-moi d'ailleurs une ligue qui vous plairait, mais très très peu cher. Parce qu'il y en a plein qui proposent la MLS. Il suffit que tu tombes sur Wine, le défenseur bronze qui coûte 26 000 crédits. Et hop, ça va, c'est torché. Hein. Après, il n'y a plus de crédit. Donc, proposez-moi une autre des ligues qui vous intéressent et qui sont vraiment pas chères. Dos Santos MC, je connais pas du tout, avec deux étoiles. Le geste technique, ça pue bien le brin. De Guzman, il va rejoindre ma tripotée de joueurs bataf, comme dirait Nelson Montfort. D'ailleurs, quel pénible celui-là, le jour où il pourra arrêter de commenter. Et pourquoi pas, mais si, mettez-moi sa place, je sais pas, en place aux jeunes quand même, personne ne l'aime, ce vieux pépé, là, ça fait 4000 ans qu'il nous pourrit les directs de France Télévisions, qui sont déjà pas terribles à la base. Alors, si en plus tu mets des débiles aux commentaires, c'est pas fameux. De quoi je voulais vous parler également? Rien de spécial, je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, donc la série au hasard, ce sera quand j'aurai des crédits. Donc là, on va se concentrer quand même. On a claqué 1000 points, vous avez vu qu'on n'a pas loupé grand-chose. Allez, on continue à brasser de la merde. Tito. Oh, un Français, et surtout un Lensois. Pierrick Valdivia, le Lensois. Brique, ouais, de Brique et de Broc, pour l'instant, la Brique, elle est dans le pavé. La Brique est dans la mare, parce que c'est vrai, c'est un peu la merde. Tito. Des joueurs. Alors vous, comme d'habitude, on voit des joueurs que personne ne connaît, ça fait plaisir, hein, comme ça on voit des nouvelles têtes. Cercle de Bruges, très beau maillot. Le Cercle de Bruges, ça sent le sais, ça. On m'a dit aussi, fait une équipe belge. Je l'ai fait tous les ans. On va peut-être essayer de varier. Ça nous va faire des trucs un petit peu bizarres. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont proposé leurs équipes. Je suis en train de mourir, hein, tellement je parle vite. Merci à tous ceux qui m'ont proposé des équipes bien originales. Et je pense qu'on va bien se faire plaisir, parce que là, au niveau des particularités physiques, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il manque plus que l'équipe avec les plus grosses quéquettes. Et là, comme ça, on aura fait la totale. En tout cas, merci beaucoup à vous. On a dépassé les 80. C'est génial. Wouhou, c'est la fête. Quand je pense à tous les youtubeurs, franchement, tous les youtubeurs, vous allez pas me dire, quand ils font un pack opening, ils envoient du gros. Du bois, à chaque fois ils ont des trucs à 15-20 000 minimum. Et les mecs, quand ils ont un joueur à 20 000, ils disent oui, tout ça, mon pack opening n'était pas. Oh, putain, Santana, le joueur de gratte. non, même pas, enfin peut-être qu'il joue de la guitare, mais aussi pas aussi bien que l'homme aux lunettes de soleil. Varela, Ivanovic, mais Martinez. Je ne sais plus quoi dire, voilà, c'est un peu ma tête quand j'ouvre des packs, je suis comme ça. Ah, ma tête, j'ai encore ouvert de la merde. Ça, c'est bien pourri aussi. Le maillot de. Oh, superbe celui-là. Boavista, je garde, oui, je garde dans mon club. Je ne sais même plus de quoi j'étais en train de vous parler. Et oui, donc tous les youtubeurs, vous n'avez pas mis, ils sont tous eu chopé du gros, du bois et du costaud. Il n'y a que Bibi qui a franchement eu que de la merde, à part Lewandowski que j'ai revendu 105 000 crédits. Mais pour l'instant, regardez ça, ça dépasse pas non plus. Mario, putain, on a gagné le joueur, le héros de. Mario Bros, youhou! Non, c'est lui qui faisait ça, oui, c'était lui. Ah, Johnny Moldave, alors lui, il fait un peu tout. Lui, il fait Piccolo, il fait un petit peu tueur en série, il fait vraiment. Lui, s'il y avait une équipe de sale tête comme on m'a proposé, ça pourrait en être le coach, mais s'il était coach. Kaya, ouais, il y a Kaya, la casette, je l'ai déjà. Hop, liston, on va se récupérer un petit peu de crédit parce que pour l'instant, ça frôle un peu la loose. On a qui? On a Tevez dans l'équipe de la semaine. Alors, attendez, on va d'abord virer tout ça. On a Tevez dans l'équipe de la semaine, après, je sais même plus. De toute façon, je vais jamais récupérer. Kaya, est-ce que ça se vend? Faut tout hasard. De toute façon, où j'en suis, vu qu'il faut que je vous fasse une équipe au hasard, enfin une série au hasard, il faut essayer de gratter un maximum de crédits. Et donc, allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. On n'est même pas à la moitié au final, parce que là, on s'énerve. Je suis encore en train de vous dire que j'ai brassé de la merde. C'est maintenant que ça va tomber. Là, j'annonce 6 boosts, une légende et tutti quanti. Allez,
Martins, ça vaut un petit peu d'argent. Je vais le garder quand même, parce que c'est vrai que si je vous fais une MLS, il pourrait servir. Et si je vous fais une équipe aussi, des joueurs qui ont mis leur quéquette dans une prise d'électricité, de courant, pardon, ça peut être aussi pas mal. Parce que lui, au niveau de la touffe, hein, c'est comme ta touffe m'étouffe, enlève ta moumoute elle moute, parce que là, c'est pas mal. 4 mauvaises étoiles le mauvais pied, 3 étoiles de geste technique et 93 de vitesse. Intéressant. Medel, oui, aussi pas mal. On va garder aussi Chadli, pourquoi pas si je vous fais une petite belge quand même, parce que je pense quand même qu'au bout d'un moment, je vais vous la placer. Et lui, il va. C'est toujours pareil, t'as l'impression que c'est un curé, quoi. Le curé pédophile. Moi, je suis content. Moi, j'ai des petits enfants dans mon église, je suis content. Genre, quand me faire dire oui, tout ça, mais tu t'as pas honte de parler de ça, tout ça, t'es un daron. On parle de ce qu'on veut. De toute façon, vous savez très bien que moi, ma chaîne, personne ne regarde mes vidéos. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que quand t'as 100 ou 300 000 ou 400 000 abonnés, forcément, si tu dis la moindre. Si tu lâches une petite caisse pendant tes vidéos, tout le monde va faire oh mon dieu, oh, il a fait ça. Alors que moi, je peux parler de tout, de n'importe quoi, de drogue, de sexe et de rock'n'roll. Tout le monde s'en bat la cataracte. Allez, tourne là-bas, et on tombe sur Biabiani d'ailleurs, qui il a arrêté sa carrière, hein. C'est vrai qu'il devrait peut-être l'enlever, parce que malheureusement pour lui aussi, au cas où vous ne le savez pas, on lui a diagnostiqué des petits problèmes Erto, je suis en train de confondre avec Erta, donc on lui a, là, t'as du poivre, non j'ai que du sel, et on lui a diagnostiqué le pauvre des petits problèmes de cardiaque qui font qu'il a dû arrêter de sa carrière. Il doit pas être bien vieux, en plus on va juste regarder son âge, parce que je pense pas qu'il soit bien vieux, 88, enfin, il venait d'avoir 26 ans, bon, c'est pas bien vieux, mais bon. Voilà, je pense qu'avec, entre guillemets, oui, Biabiani, non, reste là, toi, on va te lister. Entre guillemets, il s'en sort pas trop mal, parce que ça fait quand même quelques années qu'il joue au foot, et je pense qu'il a pu mettre de côté, enfin, j'espère pour lui en tout cas, c'est plutôt vaut mieux, entre guillemets, même si je le souhaite pas que ça arrive à des gens qui ont de l'argent pour se soigner, qu'à des pauvres malheureux qui font les 3-8 pour s'en sortir, c'est vrai que c'est toujours un peu plus problématique. Mais là, n'est pas la question, nous sommes là pour voir, pour constater qu'on a toujours de la merde, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que là, on arrive, mine de rien, à plus de 30 000 points FIFA, ça coûte grosso modo dans les 240 €. 240 € pour avoir Lewandowski et après un boost que j'ai revendu en quick sell, 10 500, personne n'en voulait à 11 000. Ça fait cher quand même, ça fait cher. Eder, ok. Enfin, Eder, Mota. Regardez ce pack, il est rincé, je sais même plus quoi dire. Franchement, les mots me manquent pour décrire à quel point ces pack openings sont nullissimes pour l'instant. Alors vous allez me dire, peut-être que ça va s'agiter sur la fin, quand il y aura la team of the year, la team of the season. On va peut-être choper une petite légende comme ça, un Pelé qui apparaît comme ça, mais là tout le monde serait content. Mais là pour l'instant. Ah, Sturridge, est-ce que ça vaut pas un petit peu de crédit? On va aller voir ça. Listons, hop là, comparons, merci à tous ceux qui m'ont dit comment ça va se passer. Oh, you mad bro, Sturridge. Bon bah c'est bon, 40 000, 30 000 peut-être plus. Non ça part pas, si, qui c'est qui en veut? Non personne, au final ça va partir à 3 500. On va regarder jusque qui est-ce qui a fait une offre. Pour l'instant on n'a pas d'offre. Il part à 25 000, ça sera pas mal. Allez proposez les gars là, à chaque fois les mecs ils mettent en vente à... Voilà, donc on a une offre à 28 750, on va dire que ça peut partir à 30 000. Et donc... Qu'est-ce que j'en fais les enfants, qu'est-ce que j'en fais? J'ai besoin de crédit, on va le lister parce que de toute façon j'ai déjà ma BPL qui marche très bien. J'ai Diego Costa devant, Diego Costa c'est quasiment 2 buts par match, donc on va vendre lui et on va garder Diego Costa. Et donc là on va le mettre dans le tour de 28 000, ça fait plaisir, ça rembourse pas l'ouverture de pack. Kramer, Luke Shaw c'est ça? Exactement, Luke Shaw, je connais tout le monde. Moi, je suis un footballeur, un connaisseur de football absolu. Ouais, ça rembourse pas le pack, mais bon, ça fera toujours 30 000 dans la musette. Ce qui nous fera peut-être permettre, oui, je pense que ça, grâce à Sturridge, vous pourrez tous le remercier. Allez sur son Twitter et dites-lui Thanks a lot from Noobman, he can make a series au hasard grâce à you. Voilà, il va rien comprendre, hein, moi non plus, mais au moins comme ça, il dira peut-être, je sais pas jamais, après je vais faire des vidéos avec lui, ça va être génial. On va être potes dans la vie réelle. Allez, on continue, maintenant c'est parti. C'est parti. 80, quoi, Fabregas, 84. Alors, c'est beaucoup, c'est vrai. C'est comme quand vous chopez. Ah merde, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui est milieu gauche en BPL et qui a 87 de général. C'est bien, mais ça coûte 20 000 crédits. Alors que là, c'est ce que Fabregas, c'est pareil. Ça coûte pas énormément. Je crois que ça doit coûter dans les 20 000. Non, c'était bien ça. Comparons les prix. Parce que je l'ai acheté il y a de ça un mois. Même pas, vous voyez, ça coûte dans les. Ah, mais bon, au final, ça fait quand même des petits trucs. Là, ça va nous faire 40 000 crédits pour ce pack opening. C'est pas le moins pire, c'est pas le meilleur non plus, mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai brassé comme merde, je suis limite content de récupérer 40 000 crédits au total sur le pack opening, et c'est pas fini, comme dirait la pub, il nous reste encore 900 points FIFA. Faudrait qu'un jour je compte combien de mots j'arrive à dire à la minute, et que je sais pas si vous avez un logiciel qui permet de le calculer, je suis preneur, parce que là, au bout d'un moment, j'arrive même pas à respirer, ça fait une demi-heure que je suis... 13 minutes que je suis en apnée. Allez, c'est parti, vous voyez que la machine est lancée, et on tombe sur...
Oh, putain, on a tout le temps des 80. On a tout le temps des 80. Kim Young-dae, ok, enchanté. C'est vrai qu'on m'a proposé aussi de faire une équipe coréenne. Je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus parce que je pense qu'il doit y avoir moyen de faire une belle équipe. Bonnie and Clyde. Bonnie est Bonnie, très bon joueur, mais c'est pas celui que. Pas le prototype de joueur que je recherche. Grizzy chance. Allez, Griezmann, il va porter la chance à tonton. Il va porter la chance à tonton. On y croit. Attention. Allez, on veut du boost de Babel. Putain, la tour de Babel. Olivia Ruiz, Uxagiocup. Ok, le roi du Scrabble. Alors, cela vous placez son mot, vous avez 2000 points. Okuskan, Osiukakubut. C'est comme les ketchup, hein. Start termine par cup. Mais après, le reste, c'est différent. Stat très correct, puisque quasiment 70 ou 75 de moyenne. Mais je le garde pas, voilà, c'est de la merde. Le mec qui essaie de vous vendre des trucs comme ça, non, c'est de la merde. Utilisons les éléments, 1000 crédits, voilà. Le reste, on le stocke dans la popoche à tonton. Et Babel, je l'ai déjà, donc on va le lister. Listons à 650, ça partira bien au prix que ça doit partir. Au prix où, duquel ça, non, au prix où ça doit partir, je sais pas. De toute façon, je me suis arrêté, comme tous les ch'tis, je me suis arrêté j'ai pas été à l'école, voilà. J'ai pas été à l'école, j'ai mangé du charbon pour survivre jusqu'à mes 17 ans. Et voilà, c'est un peu de la triste vie des ch'tis, quoi, vous savez. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça reste encore. Les gens sont persuadés que c'est vraiment, ça se passe vraiment comme ça, qu'on mange des rats crevés dans les rues. Non, c'est pas comme ça, le Nord, c'est très très bien. Par contre, voilà, ne venez pas parce qu'on est très bien entre nous. Donc, si on pouvait éviter que toute la populace débarque chez nous, ils se rendraient compte qu'on est très très bien dans le Nord et nous, on ne veut pas de ça. Oui, je fais de la pub. Je suis sponsorisé par l'office de tourisme de Lille. Carole, ok, Stoker, Verdès. Ouais, c'est de la merde. Allez, vite. Oh, putain, j'aimerais bien choper quand même un énorme joueur. Une légende, une petite légende, je sais pas, mais c'est peut-être une petite légende, je sais pas. Un petit truc, Romario, peut-être pas, est-ce qu'il est dans les trucs, Peter Schmeichel, j'en sais rien, n'importe quelle légende, une carte blanche, putain, il nous reste plus que 300 crédits, il nous restera deux packs après celui-là, allez, on y croit, Mustafi, Koulibaly, j'ai l'impression que toutes les équipes de foot, de toute façon, t'as un mec qui s'appelle Koulibaly, Ndiaye, à chaque fois c'est toujours pareil, Duricic, ok, alors je vais le garder aussi parce qu'on m'a dit, oui, il fait une team serbe, tatatitatata, oui, ça c'est serbe, parce que s'il avait été autre chose que serbe, Mustafi, c'est lui, il a pas fait la Coupe du Monde, il a été remplaçant. Qu'est-ce qu'on a, blablabla, ok, impeccable, il nous reste deux packs, les enfants, c'est... On aura eu notre joueur à 30 000 crédits, Sturridge, mais c'est pas encore ça qui va faire lever les foules. La Loustime est couchée, il est 22h, la femme est fatiguée, le bébé, ça fait bien longtemps qu'il dormait dans les bras de sa mère. Ça continue à brasser du caca. Ansaldi, très bon joueur, mais qui ne se revend absolument pas. Pardo, ok, Comiozo, tatatitatata. Tiens, je vais déjà aller à l'exécution de la Roumanie. Enchanté, je ne savais même pas. Bling, alors on va rendre discrètement. Et le dernier pack, on espère quand même, fait chier, je reviens un jour recrier un peu, que je fasse un truc bien quand même. Allez, la grise chance, une dernière fois, on croise les doigts, craquement de doigts, c'est de la merde, voilà, Mamedjouf. J'avais tellement aimé ce Mamedjouf sur FIFA 14, là je l'ai acheté, j'ai fait 3 matchs ou 6 matchs et puis il m'a mis 0 but, je l'ai jeté. Il faut pas partir, c'est comme dans un vieux couple, tu sais, il faut pas revenir sur ses anciens amours. Mamedjouf, je l'ai adoré dans FIFA 14, prenez le pas sur FIFA 15, il est rincé, gardez plutôt un bon souvenir de ce FIFA 14 qui était très bien, et comme d'habitude à la fin... Petite quenelle inversée, quenelle 360, vous avez des quenelles de toute façon, jusque dans ton cul, hein, comme d'habitude. Merci EA, on sera encore fait bien défoncé au niveau du pack opening. On récupère quand même 40 000 crédits, ce qui me permettra de vous faire une série au hasard, et ça, c'est pas dégueulasse. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde!